suite. La suite. Dans le cadre de la ronde, le vice-président, le président intérimaire de l'UDPS, que vous voyez derrière, en a profité pour faire un peu la ronde à l'Uniki et voir un peu ce qui se passe. Voilà, c'est qui s'y passe. Bonjour. Omoni. Voilà, on est à l'Uniki. Il est venu. Il en a profité pour jeter un œil sur le home. Et là, il en vient tard, il va tout qui s'allait. Donc, vous avez vu
les hommes de l'Unikin. Covid, ça va attendre la réhabilitation comme annoncé. Et là, Jean-Marc Kabounis, c'est là. Alors, le journaliste est là, député. Quand le journaliste est là, député. Ça revient même la construction d'une nouvelle université. Ah oui. Pour avoir autant de millions de dollars pour réhabiliter. Mais avec ce qu'on a vu, ça valait quand même la peine de réhabiliter l'université de Kinshasa. Il y a quoi qu'on puisse faire, mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment l'évidence. Je crois qu'à travers cette action, le chef de l'État doit s'impliquer pour réhabiliter. L'Unikin afin qu'on puisse donner à la génération future un avenir meilleur. Mm-hmm. C'est à travers les actions des universitaires qu'on pourra peut-être faire donner une nouvelle vie à notre pays.
Donc il y a l'obligation qu'on puisse vraiment réhabiliter ça, qu'on puisse mettre ça selon les normes internationales modernes en fait. Mmh. Très bien. Tu peux le dire ? Oui. Mais le constat des sauts de moutons, parce que on a été avec vous un peu partout, la population n'a pas tort de se fâcher. Bon, moi personnellement. Ce qui va siliki, ça quand même n'a raison. Oui. 10 mois, 6 mois, 10 mois, puis après. Madame. Et le quoi ça la maïsate. Madame Rachel, où tu dois visiter bah, ceux de moutons en Ayo ensemble. Au moins bien, neti, sur l'ensemble des sauts de moutons visités, l'ensemble des réalisations sur le projet, en tout cas, compte minimum et à proportion, ils ont plus au moins 15 à 17% de réalisation de travaux. Alors même moi-même intérieurement, je me demande pourquoi ma kangaki va en parce que bazana et le comoro ba salité. Donc franchement, il n'y a rien qui s'est fait. Parce que Banda Place Makanga qui par rapport à timing aux ala qui donnait. En principe, même s'il y avait des excuses, il fallait bas la quand même dans hauteur et recours matin ne fût-ce qu'à 70 ou 80%. Enfin, va présenter tout quand même excuses. Voilà que non, voilà, voilà, voilà. Tout tamboli na basso de mouton surtout constaté ça comme mon corps par rapport à travers basso travailler voilà. Financement exact, financement exact. Moussa le tambola na financement. Est-ce que financement est là qui? Mais non, madame. Personnellement, je crois que je financement exact. Mais l'anda kaka débat où il y a bango moko batubaza censé à quoi engager finance. Le ministre de la finance a lobby bien que basi va engager finance pour la construction de bloc à la hauteur de 70%. Mais maintenant, tout ça la deal. Quand je vous donne déjà 70%, ils sont déjà presque au-delà du marché. Donc il ne reste que 30%. C'est que tu peux faire ça juste dans la livraison. La livraison, tant que vous livrez un gabilo, vous avez dans le ça. Vous comprenez, madame? Déjà 70%. On pouvait même accepter s'il y avait même un bon appelé ça qui est en hauteur. Il y a 50%, mais travaux au Tomonikuna, Babiloko au Tomonikuna, en tout cas, là étant que mon lobby a peuple, il y a quoi que peuple a signé. Donc, il faut vraiment, chef de l'État, aller dans le dossier avec ce mouton de près. Pendant Tomoniliso de mouton, sur il y a Pascal, il y a des bonhommes, il y a 24, là il y a Sosimat, là Royal Luana. C'est parti madame, pour une année. Imaginez, madame. Non, il y a un peu de temps que vous avez même tôt. Naïf, vraiment, tant que nous avons l'idée aussi la construction. Par rapport à la sorte de mouton, surtout. Parce que nous avons un imaginez-vous, il y a pompage. Il y a un niveau où il y a pompage. Nous avons présenté que si le chef d'État a été inauguré, il y a un peu à peu près déjà 70 ou 60%. Mais tant qu'il y a pompage dans le niveau des alliés, ça représente déjà. À peu près 60%, 60 ou 70%, il y a réalisation et travaux. Maintenant, à fortiori, au communauté de la Sosimat, au coup de terre et de l'autre côté. Au communauté de la Sosimat, au coup de l'autre côté. Parce que, là, on va au pompage, il y a à peu près 60-70% de réalisation. Maintenant, au coup de l'autre côté, il y a Sosimat, rien. Mais je me demande, quand il prend sa monnaie. Au cas où il y a parti Tchang Okuna SRS et l'autre côté. Oh il bandit qu'on paie sa moins forme. Alors il faut que la sanction est quoi? Mais madame, ce qui m'a dit l'État est bimé dans le modèle Wana. Nous sommes là et par rapport à délai donné. Si vous avez ça, c'est que ça a mis. Ce qui m'a ressanctionné, tout est. Alors, si vous avez un marché, qu'on donne à d'autres personnes. Parce qu'on suppose que bon vous avez donné pour qu'il y ait des travaux. Maintenant, les travaux sont réalisés. Pas ça la nuit, les tuyaux pensa, on repère sa résultat. Les personnes qui sont en train de travailler pour les intérêts de la population et celles qui sont en train de travailler contre les intérêts de la population.
demander aux étudiants de libérer, valait quand même la peine pour réhabiliter les hommes. Valait quoi? Demander aux étudiants de libérer valait quand même la peine pour réhabiliter les hommes, vu l'état dans lequel... Mais c'est ce que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a annoncé. Je ne sais pas ce qui s'est fait en réalité. Attention. Nous sommes en train de... Il a annoncé qu'on devrait réhabiliter d'abord les hommes avant que les étudiants ne reviennent. Je ne connais pas encore... quel est son agenda précis là-dessus? Mais dans l'ensemble, c'est quand même une déception pour les sauts des moutons. Oui, je crois qu'il y a deux chantiers qu'on va visiter et puis on va donner le bilan tout à l'heure, le constat général. C'est où qu'on est? On est où là?